Pourquoi désigner un Français incompétent et proche du sionisme pour rénover des monuments de l'art islamique et mauresque alors qu'il n'est ni musulman ni spécialiste de l'architecture arabe, il n'y a pas d'architecte en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Iran ou au Pakistan. C'est comme demander à des Chinois de faire du couscous algérien ou à des Algériens de faire du riz cantonais. Cette nomination sent la magouille et les rétrocommissions. Ce que la France n'a pas osé faire en 132 ans de colonialisme, ce gouvernement fantoche ose le faire. Aucun respect pour l'histoire du peuple algérien. Plus de 400 personnalités algériennes, françaises, américaines, canadiennes, européennes et arabes ont signé une lettre dans laquelle elles ont exprimé leur mécontentement quant à la désignation de l'architecte français Jean Nouvel pour la revitalisation de la Casbah d'Alger. Les signataires de la lettre adressée à l'architecte français ont demandé à ce dernier de se retirer du projet et le remettre aux architectes algériens. Ils ont écrit dans leur lettre publiée ce jeudi 20 décembre, ce lundi 17 décembre, « Nous sommes beaucoup à avoir été choqués en apprenant qu'une convention tripartite avait été signée entre la Wilaya d'Alger, la région Île-de-France et vos ateliers afin de, nous dit-on, revitaliser la Casbah d'Alger. Étymologiquement, revitaliser implique redonner de la vie, ce qui nous permet de nous demander si la vie, pourtant vibrante, qui caractérise aujourd'hui les rues sinueuses de ce quartier, n'est pas digne d'être considéré comme tel. La Casbah d'Alger, pour nous, bien avant d'appartenir à l'humanité, celle dont on nous dit qu'elle possède un patrimoine mondial, appartient d'abord à ses habitants, qu'ils possèdent un titre de propriété ou non, ensuite aux Algériens dont la lutte révolutionnaire contre le colonialisme français a régulièrement pris appui sur sa capitale et en particulier, sa Casbah, et enfin aux militants anticoloniaux de l'Afrique, du Sud global, mais aussi du Nord, tant la Casbah par son urbanisme et son architecture incarne un symbole puissant des luttes de ceux et celles qui ne peuvent mettre à profit que leur passion et leur environnement face aux forces asymétriques que leur opposent les armées et polices coloniales, ont-ils expliqué. Tout en rappelant que les Français ont détruit trois fois la Casbah d'Alger à partir de 1830, et que la partie basse de cette ville classée au patrimoine mondial de l'humanité a été remplacée par une place, place des martyrs actuellement, et qu'elle n'a plus accès à la mer. Les signataires de la lettre ont précisé que, plus tard, les autorités coloniales y construiront des immeubles haussmanniens, reprenant les tactiques urbanistes contre-insurrectionnelles déjà appliquées à Paris et Marseille. À la fin des années 1930, lorsque les autorités coloniales ont fait la guerre au taudis et ont ainsi détruit le quartier de la Marine. Entre 1956 et 1957, c'est toujours au sein de la Casbah que la fameuse « bataille d'Alger » trouve son paroxysme. Dans la nuit du 10 août 1956, des terroristes français y placent une bombe à rue de Thèbes qui détruit plusieurs immeubles et tue 80 habitants. Le 8 octobre 1957, ce sont les parachutistes français qui, après avoir étouffé ce quartier de la ville pendant une année, dynamitent la maison où se sont réfugiés les derniers survivants du Front de Libération Nationale à Alger, Assiba Ben Bouali, Oradrif, Ali Amar Di Ali Lapointe, Petit Omar et Yassef Saadi.